Yo tout le monde, on se remet une nouvelle vidéo, du coup, tuto, la première vidéo tuto, comment faire des lives sur PC ou stream, du coup, en fin 2020. Donc tout simplement, je vous dis direct ce qu'il faut faire, c'est très simple, du coup, si vous avez moins de 1000 abonnés, c'est aussi possible. C'est très simple, donc déjà vous téléchargez OBS, donc déjà vous téléchargez OBS, du coup vous tapez OBS sur la, ta sur, du coup, la barre de recherche. Vous téléchargez OBS Studio. Dès que vous l'avez téléchargé, normalement, vous allez arriver sur un écran. Alors attendez, attendez. Normalement, vous allez arriver sur un écran noir. Donc là, j'ai tout supprimé. Sauf celui-là. Voilà, on va tout supprimer sauf celui-là. Normalement, vous n'avez rien ici, hein, normalement. Voilà, je supprime. Bon, non, on va pas les supprimer, on va quand même les laisser. Cela, je vais le laisser quand même. Voilà. Du coup, tout simplement, vous allez sur le bouton plus. Dès que vous êtes dessus, vous avez rien, vous avez un écran noir. Vous appuyez sur le bouton plus. Ici, vous faites, on va mettre test. Donc, nom de la scène, test, on va dire. Donc, là, je l'ai déjà utilisé. On va mettre test 2, finalement. Voilà, on va mettre test 2. Ok. Voilà, normalement, vous êtes tout le temps sur un écran noir. Vous appuyez sur plus dans les sources, vous faites capture d'écran. Là, on s'en fout, vous appuyez OK. OK. Vous arrivez normalement sur cette page. Dès que vous êtes arrivé sur cette page, vous appuyez en haut sur profil. Vous faites. Alors là, je ne peux pas appuyer vu que je suis en vidéo. Vous appuyez sur profil. Il y a écrit nouveau profil. Vous appuyez dessus, vous le créez. Dès que ça c'est fait, c'est très simple. Vous allez ensuite sur paramètres. Du coup, paramètres. Vous allez. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Général sortie. Mais par contre, stream. On va sur stream. Ici, vous mettez YouTube RTMP. Le serveur primaire YouTube N4 serveur. Et ici, du coup, on n'a pas de clé stream pour l'instant. Donc ici, vous mettrez la clé de stream. Mais ça, ce sera juste après. Ensuite, vous appuyez sur appliquer. OK. Vous allez sur YouTube. Voilà. Dès que vous êtes sur YouTube. Voilà, attendez, attendez. Du coup, vous allez sur votre YouTube Studio. Vous faites créer, passer au direct. Vous allez aller sur votre tableau de bord du direct. Du coup, vous allez sur ensuite gestion. Programmer une diffusion en direct. Créer. Et si vous mettez votre titre, donc on va mettre test 2. Public. Voilà, mettez public, sinon on ne verra pas votre live. Description, on ne va pas en mettre. Du coup, après, vous mettez votre date. Vous pouvez importer une miniature. Ensuite, après, ici, vous pouvez faire oui ou non pour celles qui sont conçues pour les enfants. Moi, je vais mettre oui. Vous faites créer un flux. Dès qu'il est créé, vous attendez un petit peu. Et voilà, du coup, vous allez tout arriver sur cette page. Ici, vous avez un petit bouton test 2, donc c'est le titre. J'appuie dessus. Voilà, dès que j'arrive dessus, je peux voir le test 2, people, les blogs en catégorie, public. Et après, je peux voir le nombre de spectateurs que j'ai et le nombre de j'aime. Donc, dès que ça c'est fait, les gars, c'est très simple. Du coup, vous avez un écran noir ici. Là, vous avez le bouton qui est en gris. Vous appuyez sur clé de flux, copier. Donc, dès que vous avez copié la clé de flux, vous allez dessus. Vous faites paramètres. Vous allez sur OBS, paramètres, clé de stream. Voilà, vous voulez copier-coller. Je ne vais pas l'afficher. Appliquer. Surtout, n'affichez pas votre clé de stream si vous faites des vidéos live. C'est très important. OK. Dès que tout ça c'est fait, il ne vous manque plus qu'à appuyer sur le bouton commencer le stream. Et dès que vous appuyez sur ce bouton commencer le stream, vous allez du coup sur YouTube. Vous attendez un petit peu. Du coup, il faut attendre un petit peu, un petit peu. Voilà. Et dès que vous avez attendu un petit peu, vous avez le bouton bleu passer au direct qui est à droite. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et tout simplement, dès que vous avez appuyé sur ce bouton, et vous êtes en direct. Et du coup, tout le monde peut vous regarder du coup en direct. Du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ici, vous pouvez voir un aperçu. Voilà les gars, vous pouvez voir vos spectateurs en attente avant le live et vos j'aime. Voilà les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo.
du coup, ce petit tuto. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Si vous voulez d'autres tutos, dites-le moi en commentaire. Allez, moi je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner pour les 75 abos. On y est presque, sans abos, deux cadeaux de la boutique en live. Allez, je vous laisse, salut tout le monde.